Azoul, bonsoir. Médiapôle un peu spécial puisqu'on va parler politique primaire à Paris. Et notre invité Christophe, c'est... Alors, en Mediapôle position, aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir la candidate aux primaires, on va pas dire la candidate de l'UMP, pas encore, mais la candidate aux primaires de l'UMP, Azoul. Madame Azoul. En plus, elle parle berbère, vous vous rendez compte? Bravo. Elle le dit mieux Des que vous. points, 10 points supplémentaires. Donc, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on appelle aussi NKM. D'ailleurs, c'est très politique, ça, d'appeler quelqu'un avec un pseudo, avec les prénoms. Il y a eu VGE, il y a eu JFK. C'est très Vous politique, savez, moi, ça. ça a commencé quand j'étais toute petite à On vous l'école. appelait J'avais aussi un nom NKM. tellement compliqué. En tout cas, on est ravis de vous recevoir dans notre émission. C'est vrai que vous avez une actualité très brûlante qui va nous intéresser, hein. Il se passe beaucoup de choses pour vous. Donc, bon, on va Alors, balayer tout on va ça, je faire pense. vite avec nous aussi, Majid. Avant de vous passer la parole, j'aimerais juste vous poser une question un peu simple. Est-ce que finalement, c'est un peu plus difficile que prévu quand on voit ce qui se passe par rapport au mariage pour tous, Jérôme Pelletier? Est-ce que ça devient un peu plus difficile la primaire ou pas? Vous On a dit savez, que c'était joué d'avance, mais une finalement... élection, il ne faut jamais la prendre à la légère. Surtout que là, cette élection, c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'il y a une primaire ouverte dans une ville. Donc on propose à tous les électeurs, même ceux qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas du tout dans un parti politique, de venir choisir leur candidat pour l'alternance. Et puis en plus, c'est une primaire ouverte numérique. Donc ça se fait sur Internet. Le site primaireparis.fr, il faut aller s'inscrire, il faut être électeur de Paris et s'inscrire sur le site pour voter. Bon, ça fait deux nouveautés en un. C'est normal que ce soit nouveau. On est pionnier. Et donc un petit peu Est-ce que compliqué. justement ce choix, il n'y a pas beaucoup d'inscrits? Est-ce que finalement il ne fallait pas aussi ouvrir quelques gymnases, C'est un quelques peu une écoles? Il y a première beaucoup de en personnes résultat pour peut-être. l'instant, hein, Madame la Ministre. Je crois que vous avez pour l'instant 9 000 9 000 personnes qui se sont inscrites. Vous en espérez beaucoup plus, hein. Alors comment vous expliquez un petit peu ces D'abord, désaffections? c'est normal qu'il y ait du mal Oui. à monter au début, parce que c'est nouveau. Et les gens l'entendent parler, comme c'est nouveau, on ne comprend pas exactement ce que c'est. Il faut entendre parler plusieurs fois, comprendre qu'il faut s'inscrire sur Internet, que tous les électeurs de Paris peuvent s'inscrire sur primaireparis.fr. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est une réalité, on est un peu loin de l'élection. Mais bon, les primaires, c'est toujours comme ça. Il faut les faire un peu loin de l'élection pour pouvoir choisir son candidat. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait trop peu d'électeurs. Pour que ça aboutisse à ce que les tentatives de manipulation, les tentatives de sabotage qui peuvent exister, qui existent dans ce scrutin, puissent réussir. Et donc c'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, j'appelle toutes les Parisiennes et les Parisiens à ne pas se laisser dérober ce choix, à venir Vous voter parlez de et quelle choisir. tentative de sabotage quand vous dites ça existe? Ah, moi, je l'ai dit, il y a des groupes extrémistes qui se sont servis de la manif pour tous, sont appuyés par le FN, par des anciens du FN, pour essayer de dévoyer en quelque sorte ce scrutin. Vous voulez parler de Guillaume Pelletier? Vous savez, il y a plusieurs. Hein, Oui, parce qu'on il y en sait a ce qu'il a dit sur plusieurs, RTL il y il a y en a deux jours. plusieurs et, Ouais. et moi, ça ne m'intéresse pas trop de rentrer dans les débats de personnes. Je dis seulement que il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens qui veulent que ça change à Paris. Moi, c'est ce que je vois dans toutes les démarches de terrain, dans tout le travail porte à porte, les réunions publiques que je fais, les cafés politiques, les marchés. Voilà, il y a beaucoup de Parisiens qui veulent que ça change à Paris. Les propositions que je fais sur la sécurité, sur le logement, sur la circulation, sur l'emploi, rencontrent énormément d'échos. Il ne faudrait pas que tout ça soit perdu, parce que finalement, on est laissé seulement ceux qui n'ont pas tellement envie que ça change à Paris, ou qui font passer le sectarisme avant toute autre considération, et notamment les chances de victoire, parce qu'on aurait laissé ceux-là choisir le candidat. Il est certain que ceux-là ne choisiraient pas le candidat qui fait le plus peur à l'héritière de la municipalité sortante. Et d'ailleurs, ils sont aujourd'hui ses meilleurs alliés. Voilà, il ne faut juste pas laisser faire pour pouvoir laisser toutes ces Une chances au petite question changement. seulement. Est-ce que cette petite désaffection n'est pas aussi due au fait que certaines personnes disent c'est gagné d'avance, vous êtes la grande favorite, vous avez vu comment le sondage BVA paru dans le Parisien il y a quelques jours, hein. 90% des sympathisants MP jugent que vous êtes la meilleure pour représenter leur formation. Soit dit en passant, on doit respecter tous les candidats, je suis d'accord avec vous. Il n'en reste pas moins que ce serait du déni et vous êtes suffisamment intelligente pour ne pas le faire. Le poids lourd de cette élection, on est bien d'accord, sans dénaturer M. Bournazel ou M. Le Garay, le grand public, vous avez été ministre, secrétaire d'État, vous avez été la porte-parole, je finis, hein, vous avez été la porte-parole du dernier candidat à la présidentielle, l'ancien président de la République. Donc, quelque part, vous connaissez un certain Le Pen. Je le cite rarement celui-là, mais avait dit rarement les gens font la queue à un cinéma où il n'y a pas de films qui sont joués. Est-ce qu'il y a un film qui va se jouer? Parce que Vous vous savez, allez gagner, madame. ce n'est pas les sondages qui font l'élection.
Et je trouve que finalement, il y a trop de sondages dans la vie politique française. Surtout quand il y a une élection. À partir du moment où il y a une élection, qu'est-ce qu'on a besoin de sondages ? Une élection, on est appelé aux urnes, on a la possibilité de donner son choix et on le donne. Je crois à la supériorité profonde de l'élection sur les sondages. La démocratie, c'est pas on fait un sondage et on décide en fonction des sondages. La démocratie, c'est on donne la parole aux électeurs, on leur demande de prendre la parole et ils choisissent. Et c'est pour ça que moi je suis heureuse qu'on fasse cette primaire. Parce qu'on me dit, oh, bah, il y aura peut-être peu de participants. Je vais vous dire, même s'il n'y en avait que 3 des participants, eh ben, ça ferait toujours un de plus que ceux qui ont choisi l'héritière de la majorité sortante. Parce que Madame Hidalgo, elle est choisie par M. Delanoë et par François Hollande, qui s'est entremis pour essayer de débrancher le seul candidat contre elle, qui était M. Le Guen. Donc il n'y aura pas de primaire, ils choisissent à 2. Même s'il n'y avait que 3 Parisiens qui choisissaient notre candidat pour la mairie de Paris, ça ferait un de plus. Magite. Est-ce que vous ne croyez pas que la désaffection qui est quand même assez apparente pour cette primaire, elle n'est pas d'une certaine manière le reflet de ce qu'on constate, le dégoût général des Français pour la politique et pour les politiciens, au vu de l'actualité qui aujourd'hui encore nous amène des nouvelles assez attristantes sur le comportement de ceux qui sont censés être les élus de la nation, être nos représentants et avoir une attitude qu'on pourrait attendre plus respectable. Et ça va même jusqu'à très très loin, puisqu'on a eu des échos sur des découvertes de paiement de sondages. Vous parliez de sondages pour M. Balladur. On a vu 2 députés socialistes cette semaine condamnés par la justice de notre pays. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement les gens ne s'intéressent plus à tout ça et qu'ils laissent les politiciens nager dans le marigot et ne veulent pas tremper leurs mains dans l'eau sale? Je crois que les gens, en ce moment, les Français, ont une vraie prise de distance avec leur politique. Oui, ils ont un doute, une déception, parfois un dégoût. C'est vrai d'ailleurs de tous les côtés. L'espèce de catastrophe qu'a été le débat à l'automne sur la présidence de l'UMP, on a été aussi, vous ne l'avez pas cité, donc je vous le dis, mettons les pieds dans le plat, on a été aussi l'occasion. Mais justement, la primaire, c'est l'occasion pour les électeurs et les électrices de choisir leur candidat, de ne pas le laisser faire par le parti politique. C'est l'arme anti-système. Par le passé, comment ça s'organisait? Vous aviez une commission d'investiture. Vous ne saviez pas sur quels critères elle avait été constituée. Vous ne saviez pas sur quels critères elle choisissait. Et puis elle vous sortait un candidat, il y avait des négociations entre états-majors politiques, ou pire encore, comme c'est actuellement à gauche, il y avait le sortant qui choisissait son successeur, et puis après on vous disait, t'as pas le choix, t'es de droite, tu votes pour celui-là, t'es de gauche, tu votes pour celui-là. Et bien la primaire, c'est l'arme contre ça, contre tous ces arrangements-là, c'est transparent, là c'est une filiale de la Poste qui organise sur Internet, c'est complètement transparent, et ce sont les électrices et les électeurs qui choisissent. Alors vous dites qu'il y a une désaffection. Écoutez, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 inscrits, on est encore... C'est peu pour un sur... C'est vous encore... espériez 100 000. On est encore à 15 jours du scrutin. Moi, je n'ai jamais donné de chiffres, c'est certainement pas 100 000. Oui. J'ai jamais donné de chiffres et certainement pas 100 000. On est encore à presque 15 jours du scrutin, à 10 jours. Tous les jours, moi, je sens monter l'intérêt pour cette primaire. Et je sens surtout monter le désir d'alternance à Paris, le désir que ça change. Et ce que je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est que bah voilà, pour que ça change, il faut un candidat qui puisse assumer ce changement, qui puisse battre l'héritière de ces 10 ans de municipalité sortante, qui puisse sortir la droite et le centre aussi de la spirale de la défaite, parce que depuis 10 ans, c'est la spirale de la défaite, donc ne laissez pas passer cette chance. Il y a déjà eu des primaires quand même. Tu sais qu'il faut avoir la mémoire courte en politique, mais il y a eu des primaires. Le PS a fait des primaires en 2007 qui ont été très bonnes, qui ont été excellentes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a pas qu'une primaire, il y a des primaires. Je disais bien que c'était on est bien d'accord que pour les nouveautés dans une ville. Oui, tout à fait. Au niveau des municipales, je vous rejoins, vous êtes les premiers. Et d'ailleurs, c'est complètement novateur parce que vous étiez plutôt la droite, un courant plutôt bonapartiste qui, justement, on veut voir qu'une tête, il y a qu'un chef. Donc c'est novateur, c'est pas dans votre culture. Non, la question que je me pose, c'est que quand Ségolène Royal est face à d'autres poids lourds en 2007. Ça a de la gueule, pardonnez-moi l'expression. Parce qu'elle est face à des gens comme DSK, un poids lourd quand même. Elle est face à l'ancien Laurent Fabius. Et elle gagne. Il aurait été quand même mieux pour vous, Madame la Ministre, que vous ayez quelques poids lourds avec vous. En cela, la désaffection de Rachida Dati, c'est dommage. Parce que ça aurait été un poids lourd que vous auriez battu. Moi, je pense que vous l'auriez battu. Je pense même, voyez-vous, sans vouloir prendre la poudre pour l'avoir tué, que s'il y avait des paris, je miserais sur vous pour la mairie de Paris. Je vous dirai pourquoi après. Non, la vraie question, c'est qu'il y a deux types de primaire, à mon avis. Non, mais je le pense, très sincèrement. Je le penserai, j'ai écrit beaucoup de livres sur la politique en somme. Allez, on y va pour les questions. La vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est comme pas une primaire qui, comme l'a dit d'ailleurs le Garret, est un peu dommageable pour vous? Vous allez gagner, c'est évident,
Maintenant, vous n'allez pas sortir très renforcé. Or, vous êtes de notre génération. Vous avez tout à fait raison. Il faut du nouveau en politique. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous êtes de votre temps. Vous êtes la dame des NTIC. Donc, comment vous allez faire avec les barons locaux, les vieux de la vieille, comme dirait le titre du film. J'aime bien ce film, moi. Hein, les Guasguen, les Lecoq, les Tiberi, les Tutti Quanti. Ces vieux de la vieille, là, qui sont là depuis 250 ans dans les mairies. Vous allez devoir... Vous la rajeunissez pas. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous aurez du... Je vais vous dire, d'abord, concernant Rachida Dati, on peut pas avoir des principes à géométrie variable. Tout le monde a demandé la primaire à Paris. Rachida a finalement choisi de ne pas y participer et je le regrette. Mais c'est pas parce qu'il y a un des candidats qui se retire qu'on doit renoncer au processus démocratique. Vous comprenez, on peut pas avoir des principes à géométrie variable. Si on dit qu'on donne la parole aux électeurs et aux électrices, à partir du moment où il y a plusieurs candidats, il y a primaire. Ce ne serait pas respecter les autres candidats, et moi je respecte tout le monde, ce ne serait pas respecter les autres candidats, ce ne serait pas respecter les électeurs auxquels on a dit on vous donne la parole et puis on leur dit bah, finalement il n'y a pas le même casting, alors on ne vous donne plus la parole. Après, vous me parlez des grands élus parisiens. D'abord, moi je suis heureuse de recevoir leur soutien, le soutien de beaucoup d'entre ceux que vous dites et qui n'ont pas non plus de 150 ans, même si vous et moi sommes plus jeunes qu'eux. Mais je vais vous dire un truc, la primaire, c'est l'arme d'émancipation des partis politiques. Les gens disent « Ah, il faut une primaire pour se légitimer, tu parles. La légitimité, on l'a ou on l'a pas. La légitimité, vous la lisez, je la lis tous les jours dans les yeux des Parisiens, dans la discussion avec eux, dans les sondages, s'il y en a qui ne croient pas au contact direct. Moi, je crois au contact direct. C'est pas la primaire qui la donne. » Non, la primaire, ce qu'elle permet, c'est l'émancipation du parti politique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes choisi par une commission d'investiture, vous êtes l'otage de cette commission pour faire vos listes. Ceux qui vous ont choisi peuvent vous imposer des choses. La primaire, c'est la parole donnée aux Parisiennes et aux Parisiens. Et ça donne beaucoup plus, si vous voulez, de liberté, de force, d'autonomie. Et moi, je crois que le peuple de Paris aime ça. La liberté, la force, l'autonomie, le caractère ADN. Un peu rebelle, c'est dans son ADN. C'est dans son ADN. Et je pense qu'il a besoin de cette... Je pense qu'on a besoin de cette liberté, ça, là, pour faire le rassemblement à Paris. Je pense que c'est bien que les Parisiennes et les Parisiens aient à choisir entre la candidate du système, l'héritière des sortants et la candidate du système socialiste d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, un candidat qui aura été choisi par les Parisiennes et les Parisiens. Et avec l'UDI, avec l'UDI, comment vous allez faire ? Vous allez passer un accord après la primaire ou vous allez vous confronter à eux? Vous n'avez pas pu trouver de solution? Bon, moi j'ai dit que j'aurais préféré qu'il y ait des candidats de l'UDI dans la primaire. Ils ne l'ont pas souhaité, ils n'ont pas vraiment de chef de file aujourd'hui Bourlou pour cette municipale. Ceci dit, tous les électeurs sont appelés, quel que soit leur choix politique, leur étiquette ou pas leur étiquette, à participer à la primaire. Et par ailleurs, moi, je souhaite, même sans candidat UDI dans la primaire, un rassemblement après. Et pour moi, une municipale, et a fortiori d'ailleurs, c'est le sens d'une primaire ouverte. Ce n'est pas la liste ou le projet d'un parti, c'est un rassemblement. Cette primaire, c'est l'origine, c'est la racine d'un rassemblement qui doit être le plus large possible. Alors très bien, j'aimerais qu'on vienne juste un peu au parti et puis on vient sur Paris. Apparemment, Copé et Fillon se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'élection en septembre. Vous en pensez quoi? C'est ce qu'on a lu dans le Monde aujourd'hui. Ça a beaucoup changé, dites-nous. Oui, je vais vous dire. Ça a bougé, c'était là. Il y a eu un accord à l'automne. Et après cette crise terrible qu'il y a eu, il y a eu un accord à l'automne qui a été fait devant les militants pour qu'il y ait un nouveau vote à l'automne. Ce qui a été fait devant les militants ne peut être défait que par eux. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas que Jean-François Copé et François Fillon soient d'accord, il faut que les militants votent, dans ce cas, pour décider de repousser le vote de l'automne. Je pense que c'est le souhait majoritaire des militants, parce que je pense qu'ils sont très nombreux à dire, bon, passer pour passer, maintenant on prépare l'élection municipale. Mais ça doit être vraiment leur choix dans ce cas-là. Ça ne peut pas être... le sentiment qu'après avoir pris l'accord devant les militants, il y a un arrangement au niveau de l'état-major. D'ailleurs, vous étiez plutôt une alignée, comme on dit, hein, je crois. Vous étiez dans ni pro Copé, ni pro Fillon. Le leadership de ce mouvement parce que j'ai trouvé que ce débat était, cette déchirure était insensée. Vous savez, cette déchirure, elle a beaucoup fait souffrir nos militants. Parce que un militant,
De droite ou de gauche, là, je parle des militants en général, ce n'est pas, pas partisan ce que je dis là. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, parfois qui se prend des réflexions pas toujours agréables, parce qu'être militant d'un parti politique dans le monde contemporain, ce n'est pas toujours bien porté. Ou alors c'est quelqu'un qui investit quand même beaucoup lui-même, si vous voulez, qui donne beaucoup lui-même. Il y a beaucoup de générosité dans le fait de militer. Puis même de générosité financière, parce que vous savez, le militant qui colle les affiches et tracts, on ne lui rembourse pas son essence. Donc on donne beaucoup de soi-même. Et à l'automne, nos militants, ils ont le sentiment qu'à la tête du parti, personne n'était prêt à faire un pas en avant, en fait. Personne n'était prêt à donner un peu de soi pour sortir par le haut. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus pénalisant, en fait, cette espèce de décalage entre la générosité qui est celle des militants et le sentiment que, finalement, tout en haut, personne n'était prêt à en retirer un peu pour l'intérêt du collectif. Et donc, vous, à titre personnel, vous préférez qu'on garde les élections de septembre ou vous vous remettez vous-même au... Non, moi je crois qu'il faut. C'est bien de donner la parole aux militants et je crois que majoritairement les militants ne souhaitent pas qu'il y ait d'élections en septembre. Mais je dis qu'il faut vraiment que ce soit eux qui choisissent parce que c'est un problème de principe. On ne peut pas défaire dans un espèce d'entre-soi des chefs une décision qui a été prise devant eux. Mais vous ne pourrez pas empêcher les gens de penser qu'il y a eu une espèce d'arrangement, la présidence de l'UMP à M. Copé et puis la participation aux primaires ou à la présidentielle pour M. Fillon. Et ça aussi, ça peut paraître un peu gênant, non ? Mais encore une fois, à partir du moment où il y a primaire, il n'y a pas arrangement. Moi, je suis. Mon choix des primaires n'est pas un choix de circonstance pour Paris. J'avais même proposé qu'on le mette dans les statuts de l'UMP, pas seulement pour l'élection présidentielle qu'on dise voilà. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une élection majeure et qu'il n'y a pas de sortant, on fait une primaire ouverte. Moi, je crois en l'élection. Sent un amour pour les primaires de votre côté, Madame Kosciusko-Morizet. Attendez. C'est un amour pour la démocratie. Je dis aujourd'hui, les Français sont très éloignés de la politique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la politique, mais ils ont l'impression que ça se passe dans un espèce d'entre-soi, que c'est opaque, qu'il y a des arrangements, tout le monde se connaît, tout le monde arrange des trucs. Oui, mais la primaire, c'est l'arme contre ça. Oui, mais d'une certaine manière, c'est les proches là, de Nicolas Sarkozy, dont vous avez été la porte-parole, je pense à Hortefeux, je pense à Madame Morano, disent qu'un ancien président de la République ne doit pas passer par la primaire. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure à propos, quand vous me parliez de Rachida Dati, je dis que les principes ne peuvent pas être à géométrie variable, c'est-à-dire quand il y a le choix de se tourner vers les électeurs, ce n'est pas en fonction... Donc Nicolas Sarkozy devra passer par les primaires en 2017. Mais j'ai déjà dit que je pensais que les primaires en 2016, c'était un principe qui devait être suivi et être suivi pour... Très bien. Alors vous-même, vous avez renoncé donc, aux élections de septembre, si jamais il y avait élection. On vous voyait un peu justement pour les primaires de 2016, vous êtes député de l'Essonne. Pourquoi vous avez choisi Paris? Pourquoi vous vous êtes dit « j'y vais » Parce qu'elle est trop jeune, c'est la première marche, ça sera pour plus tard. Je suis parisienne. Vous savez, je suis née à Paris, je suis allée à l'école à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris. J'ai été élue, je suis élue, et je suis reconnaissante à l'Essonne et à la ville de Longjumeau de m'avoir accueillie. On a fait un travail, je crois, formidable, avec une équipe auprès de laquelle je reste aujourd'hui très, très attentive, parce que je suis fière de ce qui a été réalisé. Mais ma ville d'origine et ma ville de cœur, c'est Paris. Il y a des choses formidables à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Parisiens qui souffrent, à la fois sur des questions qui nous dépassent, des questions qui paraissent un peu lointaines, mais qui en fait sont des questions du quotidien, quand on aime sa ville, quand c'est une capitale, c'est-à-dire le sentiment de déclassement économique et culturel. Quand je parle de déclassement économique, ça peut avoir des déclinaisons pour les uns ou pour les autres, en matière d'emploi, en matière d'activité, et puis aussi sur les questions du quotidien, la sécurité, la circulation, le logement, la qualité de vie, encore une fois l'emploi, l'activité dans la ville. Et sur tous ces sujets-là, je crois que j'ai des réponses à apporter. J'ai des réponses de par mon histoire personnelle, de par mon expérience d'élu, de laquelle je ne compte pas m'excuser, comme certains voudraient. Je veux dire, moi, j'ai gagné des élections. C'est pas le cas de tout le monde dans ce tour de table, disons-le. Et j'ai eu des responsabilités, là aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, j'ai eu en charge aussi des ministères, des sujets qui sont des sujets de passion, l'écologie, le numérique, le transport, le logement, sur lesquels j'ai des choses, je crois, à dire, des propositions à faire pour les Parisiennes et les Parisiens. Très bien, Majid, puis on entamera les propositions. Ouais. Comment est-ce que vous voyez Paris aujourd'hui? On est en 2013. Paris n'est plus géré par la droite depuis que M. Delannoy est aux affaires. Si vous aviez des reproches à faire à M. Delannoy, ce seraient lesquels sur son mandat? J'ai pas envie de commencer en fait les propositions par une série de reproches. Bon, il y a bien des choses à dire.
Il y a des choses qui ont été faites. Heureusement que pour 8 milliards d'euros par an de budget, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses que j'aurais pas fait, il y a des choses que j'aurais fait autrement. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et c'est ça le sujet. Et si vous voulez bien qu'on rentre dans les différentes thématiques, je vais vous prendre 2-3 exemples. La question de la sécurité, qui est très actuelle après les émeutes qui ont eu lieu au Trocadéro à l'occasion du titre du PSG il y a quelques jours. La ville de Paris, aujourd'hui, s'en tient à distance, comme si ce n'était pas propre. Comme si c'était, en se cachant derrière le fait que juridiquement, la ville de Paris n'a pas les pouvoirs de police, comme si ce n'était pas elle. Sauf que la sécurité, c'est la première des libertés, c'est le début de tout. La possibilité de déposer ses enfants à l'école sans avoir peur qu'il se fasse racketter, de quitter son appartement sans avoir peur qu'il soit cambriolé, d'aller dans le métro sans avoir peur d'être détroussé. Tout ça, c'est le quotidien. Je fais des propositions simples. Aujourd'hui, la ville de Paris, donc les Parisiennes et les Parisiens, payent presque 300 millions d'euros par an, 300 millions d'euros par an, pour financer des personnels, qui s'appellent les ASP, les agents de sécurité de Paris, qui sont sous l'autorité de la préfecture de police, mais qui sont financés par la ville de Paris, et pour lesquels la ville de Paris donne comme seule directive qu'ils soient concentrés sur les amendes de stationnement. Eh bien, vous savez, avec le numérique, c'est 3 fois plus rapide que par le passé de faire des amendes de stationnement. On s'en plaint tous, d'ailleurs. Et donc, on pourrait, tout en gardant quelques personnels pour les amendes de stationnement, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas d'amende, mais enfin écoutez, on pourrait remobiliser une partie de ces personnels sur d'autres missions en soutien au personnel de la police nationale. Et ça, on peut le faire tout de suite. Alors, tout de suite. Moi j'ai une question là-dessus, parce qu'à chaque élection, il y a un gros problème quand même. Et vous êtes d'une nouvelle génération, vous allez peut-être pouvoir apporter quelque chose de nouveau, Madame Kosciusko-Morizet. À chaque fois, les candidats, évidemment, et Majid parlait de la crise de la politique, la crise de régime que traverse notre pays, elle est flagrante, elle est patente, on va tout droit presque vers un FN, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que je sais que vous avez écrit un bon livre que j'avais lu là-dessus, le Front Antinational, que j'avais trouvé très bon. La vraie question, c'est à chaque fois, les journalistes ou les chroniqueurs vous disent à tous les candidats, oui, alors comment allez-vous financer cela? Et évidemment, la réponse convenue va être, est-ce que vous augmenterez les impôts? Vous allez nous répondre non, parce que je peux faire une répartition, ce qui était d'un côté était de l'autre. Le seul problème, et vous êtes suffisamment au fait de la situation de la France pour le savoir, ça fait 40 ans que nos politiques de droite comme de gauche confondues tiennent ces propos-là aux électeurs. Et ça fait 40 ans qu'on est arrivé à quoi, Madame Kosciusko-Morizet? À près de 90% de la dette du PIB. Alors comment vous allez faire pour Paris? Comment vous allez faire pour Paris? Je vous donne un exemple. La proposition que je viens de vous faire, elle ne coûte rien. Oui, parce voilà. que c'est des personnels qui sont là et auxquels on demande tout simplement de faire autre chose. Et puis je vais vous dire un truc, sauf que je vais parler de mon expérience tout à l'heure. Moi j'ai une crédibilité particulière qui est celle de l'expérience sur la question des impôts. Parce que vous voyez, dans la collectivité dont j'ai eu la charge, j'ai baissé les 2 premières années les impôts et stabilisé les années suivantes. Aujourd'hui, dans la ville de Paris, depuis 12 ans, il y a eu une augmentation de 40% des impôts, en tenant compte de l'inflation, de 40% des impôts. Tous les impôts ont augmenté. Bon, prends un exemple qui est particulièrement frappant, la taxe de balayage. Avant, il y avait 6 ou 7 tranches. Ça allait de 1,22€ le mètre linéaire jusqu'à 7€ et quelques. On a, pour simplifier les choses, homogénéisé. Vous savez comment on a homogénéisé? On a passé tout le monde au taux supérieur. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns pour lesquels ça a augmenté 6 fois. Bon. Donc, il y a plus de revenus de la taxe de balayage. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus propre? Moi, avec beaucoup de Parisiens et de Parisiens, non. Je n'ai pas l'impression que ce soit c'est plus propre. C'est ce que vous a dit Mme Chirac, d'ailleurs. Hein. Vous avez dit qu'il y a des vieilles dames qui chutent à cause de crottes. Mais bien sûr, mais il y a un problème et qui se casse la jambe. Dans énormément d'arrondissements de Paris. Donc, les impôts, ils ont beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui a augmenté? Et l'endettement a augmenté aussi, hein, parce que l'endettement qui était d'un peu plus d'un milliard d'euros à l'arrivée de ce pouvoir sera bientôt de 4 milliards d'euros. Il y a eu l'époque Tibéri et l'époque Chirac, c'était pas mal non plus. C'était 1 milliard d'euros en sortant de l'époque. Mais c'était pas mal non plus ces années-là. Je vous parle de la dette, c'était 1 milliard d'euros en sortant de l'époque Tibéri. C'était 1 milliard d'euros en sortant de l'époque Tibéri. Et à la fin de l'année prochaine, ce sera 4 milliards d'euros. Comme disait ma grand-mère, il n'y en a pas pour le vélo. Tout cet argent, il est passé où? Écoutez, je vous parle de la dette, ce sont des chiffres, c'est factuel, ça a été multiplié par 4. Tout cet argent, il est passé où? Vous avez une explosion des frais de fonctionnement, des charges à caractère général. Charges à caractère général, c'est ce qu'on appelle le train de vie de la ville. Et, je n'hésite pas à le dire, de la mauvaise gestion. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu un rapport public là-dessus, c'était la Chambre régionale des comptes de mémoire, sur l'absentéisme à la ville de Paris. Ça coûte 200 millions d'euros par an, l'absentéisme à la ville de Paris. Vous avez des services dans lesquels c'est 15% d'absentéisme. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise gestion? Défaut de dialogue social, manque d'anticipation?
C'est aussi un problème général à la société française, l'absentéisme, c'est régulièrement mis en avant. Mais là, c'est supérieur à tous les services équivalents. Hein. D'obtenir des arrêts de travail est assez alarmante. On le voit à l'hôpital public, par exemple. Vous parlez de sécurité, vous parlez d'intégrer, de donner des tâches à ces agents chargés du stationnement. Pourquoi vous pensez à créer une police municipale à Paris, en plus de la police nationale? Moi, je trouve que la question de la police municipale, c'est un peu un faux débat, parce que la question, ce n'est pas quel statut vous mettez sur les agents, c'est qu'est-ce que vous leur faites faire. Créer une police municipale, ça nécessite de changer la loi. Et ça prend des années, surtout qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a un gouvernement qui ne voudrait pas le faire. Donc ça veut dire que ça prendrait, il faudrait attendre en fait le retour d'un autre pouvoir. Donc l'annoncer aujourd'hui comme étant la solution qui va régler les choses demain, je trouve ça un tout petit peu aberrant. Les gens l'entendent, trouvent ça agréable à l'oreille, mais si vous voulez, ça n'a pas de réalité immédiate. Alors que moi, la solution que je propose, elle est immédiate. Je vous donne un autre exemple. Bon, on a beaucoup de problèmes de pickpocket dans Paris. Sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, vous savez comme moi. Est-ce que vous savez qu'il y a un an, au moment où François Hollande a pris le pouvoir, la ville de Paris a demandé l'abrogation des arrêtés anti-mendicité? Les arrêtés anti-mendicité servent de base légale pour lutter contre ce phénomène. Je ne vous dis pas que ça résout tout, hein. C'est bien compliqué. Le problème des Roms est bien compliqué, y compris dans sa dimension européenne. Mais enfin, si vous n'avez même pas de base légale pour faire les contrôles d'identité et pour pouvoir poursuivre les gens, vous êtes sûr de ne pas pouvoir le régler. Ça, les problèmes dont vous ne voulez pas vous occuper, vous êtes sûr de ne pas pouvoir les régler. Et on parle là de sécurité, mais je pourrais aussi bien vous parler d'emploi ou d'activité. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Ah ben, les transports, ouais. Vous êtes pour un métro nocturne, j'ai vu ça. Oui, l'extension des horaires du métro. Sur les transports, d'abord, soyons clairs. Moi, je trouve qu'une ville, ça n'a pas à être un grand circuit automobile. Et dans toutes les grandes capitales du monde, on réduit la place de l'automobile et c'est un objectif qui est légitime. Ça peut être porté au crédit de M. Delannoy. Mais y a certains manière... s'en plaignent d'ailleurs. Oui, mais la suite est différente. Il y a manière et manière de le faire. Et de son aveu même, la municipalité sortante a voulu le faire en dégoûtant les automobilistes. On a voulu les dégoûter. Donc on a créé des gigantesques embouteillages qui, contrairement à ce que croit la municipalité sortante, ne sont pas un problème seulement pour les automobilistes qui sont dedans et qui ne seraient pas majoritairement parisiens, c'est un problème pour tout le monde. Parce que le piéton qui est à côté, le vélo qui essaye de se faufiler, ou tout simplement l'habitant du quartier ou celui qui travaille dans le quartier, l'embouteillage monstrueux pour lui, c'est du stress, c'est de la pollution. Et en ce moment, il y a beaucoup de quartiers dans Paris qui sont comme ça. Vous parlez de la pollution, vous êtes sensible à la pollution. Hein, attendez, je finis sur les transports. Donc, réduire la place de la voiture, oui. Mais moi, je propose plusieurs principes et je propose de faire autrement. D'abord, à chaque fois qu'on réduit un mode de transport, il faut créer une alternative. Les voies sur berge, moi, je les aurais faites autrement. On réduit la place de la voiture, mais on ne crée pas de nouveaux transports en commun. Eh bien, je propose, et je ferai un projet précis là-dessus à l'automne, que par exemple, au niveau du musée d'Orsay, le quai bas, il est froid, il est orienté plein nord. C'est pas vrai que les touristes y descendront, surtout en plein hiver. On laisse le quai bas aux voitures. En revanche, sur le quai haut, où c'est joli, il y a le musée d'Orsay, il y a beaucoup de monde, on étend le trottoir pour donner plus de place, mais là, on a une voie pour les bus, les vélos, les taxis, qui permet à la fois, qui permet, je crois, de mieux gérer l'espace. On parle de la circulation. À Londres, ils ont un système d'optimisation des feux de circulation. Ça s'appelle le système Scout, avec deux O. C'est un système dans lequel vous avez des capteurs, caméras et des capteurs sur la voirie, qui regardent en temps réel, en fonction des données réelles, le nombre de voitures, d'un logiciel sophistiqué derrière, et la durée des feux tricolores est modifiée en temps réel en fonction du nombre de voitures. Ça permet d'améliorer beaucoup les flux de circulation, donc d'éviter les embouteillages monstrueux. Alors ça coûte un peu d'argent, c'est de l'investissement, mais derrière, c'est du flux. Ils ont aussi un péage urbain, y seriez-vous hostile ? Écoutez, oui, j'y suis hostile. J'en ai parlé avec le maire de Londres, auquel j'ai rendu visite la semaine dernière, auquel je m'entends bien, qui me dit que, d'abord, il a réduit, lui, le projet de péage urbain par rapport à la version initiale. Ça rapporte 1,4 milliard de livres par an. Donc maintenant, si vous voulez, ils utilisent le lieu et ils ne vont pas revenir dessus. Mais il dit lui-même que il ne trouve pas que ça a été le meilleur outil ou l'outil le plus efficace dans sa politique. Mais Boris Johnson... Et moi, je pense qu'en direction des banlieusards, c'est un très mauvais signal. En revanche, pour les banlieusards, ce que je voudrais, c'est qu'aux portes de Paris, sur le périphérique, on fasse un début de couverture, de prolongation de la couverture, et qu'on crée des pôles d'intermodalité, qui aient la possibilité
de laisser sa voiture et facilement de passer sur un autre mode de transport. Parce qu'on ne peut pas juste critiquer les gens ou essayer de les dégoûter, il faut leur offrir une alternative. Dernier exemple, je voulais dire un mot sur les deux roues. Il y a de plus en plus de deux roues à Paris. Solution d'adaptation. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de stationnement. Alors aujourd'hui, un deux roues, d'abord, c'est très variable suivant les quartiers. Il y a des endroits où il y a des tolérances, des endroits où il n'y en a pas, vous ne savez pas si vous allez prendre une prune, parfois vous ne savez pas si vous allez être enlevé. C'est un problème pour les gens qui sont en deux roues. C'est un problème aussi pour les piétons, parce que parfois vous avez des encombrements de trottoirs qui sont des problèmes de sécurité. Je voudrais qu'on relance quelque chose qui a été arrêté par la municipalité sortante, c'est une erreur, qu'on relance des plans de stationnement au sous-sol, de parking en sous-sol, et que là-dedans, on prenne en compte la question des deux roues. Alors, je reviens, c'est lié par rapport aux bouchons, par rapport un peu à l'embouteillage. Ils participent un petit peu, c'est les horaires de ramassage, en fait. Quand on arrive, des fois le matin, on a un camion, il bloque tout un quartier, vers 8h, 9h, 10h. Alors, d'abord, sur le ramassage des ordures, il faut savoir qu'il y a certains arrondissements de Paris qui sont en régie, et d'autres qui sont en marché public, 10 l'un, 10 l'autre. Je trouve qu'il faudrait remettre ça à plat et comparer vraiment ce qui se passe dans un cas ou dans l'autre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je trouve qu'il y a trop de diesel dans la flotte publique à Paris. J'ai dit que je ne voulais plus qu'on achète de véhicules diesel pour les flottes publiques à Paris. Encore au mois de janvier, la municipalité a racheté des bennes à ordures diesel. Alors on me dit, c'est bien compliqué. Vous savez quoi ? Dans la partie en régie, il y a 25% des bennes qui sont diesel. Et dans la partie qui est en marché public, donc avec des privés, il y en a 6% pour le même service. Comme quoi, ça doit bien être possible. Et puis oui, il faut remettre à plat la tournée de ramassage, parce qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait. Il y a beaucoup d'endroits où la propreté se fait avant la tournée de ramassage, ce qui est quand même absurde, parce qu'on comprend bien que faire la propreté des rues après la tournée de ramassage, c'est plus efficace. Christophe ? Alors, on a bien compris, NKM Paris, c'est bien, bravo, c'est normal, vous êtes la future certainement candidate. Maintenant, la vraie question, quand Majid tout à l'heure vous a posé la question « qu'est-ce qu'il a fait de mal ?», moi, effectivement, je vous aurais posé l'autre question. Qui change un peu. C'est-à-dire, il y a certainement des choses que vous trouvez pas mal et que vous n'allez pas détricoter, parce que c'est un peu ça dans la politique professionnelle, on enlève tout. Alors, les trois bonnes choses qu'a fait Delanoë, ce serait quoi pour vous ? Moi, je ne distribue pas des bons et des mauvais points. En revanche, je l'ai dit, je ne suis pas pour la politique de l'essuie-glace, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Ce que pratique François Hollande depuis un an, à dire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est tout moche. Donc à défaire, et puis en fait après à refaire pour partie, parce qu'il se rend bien compte que ça allait dans le bon sens. Je prends un exemple, la TVA anti-délocalisation, on l'avait faite pour améliorer la compétitivité. On peut nous reprocher de l'avoir fait trop tard, mais on l'avait faite. François Hollande, pendant toute la campagne, dit « je vais la défaire, il n'y a pas de problème du coût du travail ». Il arrive, il la défait. Et puis après, il dit « finalement, il y a un problème du coût du travail ». Et puis à l'automne, il refait un peu la même chose, mais pas exactement pareil, avec le crédit impôt compétitivité. Un peu la même chose, parce que ça permet d'alléger un peu le poids qui pèse sur les entreprises, mais pas complètement pareil, parce que c'est un crédit d'impôt au lieu d'être une baisse des charges. Donc il faut le calculer ex post, et entre-temps, ça fait des coûts administratifs. Bon, moi, c'est une drôle de danse que je trouve qu'il nous danse, François Hollande. Deux pas en arrière, un pas en avant. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Ce qui est fait est fait. On regarde de l'avant. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, qui sont à faire. Je peux vous prendre un exemple dans le domaine de l'emploi. Là aussi, c'est comme la sécurité. On a une municipalité qui a tendance à dire c'est pas nous, c'est pas dans nos prérogatives, légalement, c'est pas bon. Moi, je crois qu'une ville, elle est responsable de tout et de plus, de tout ce qu'elle peut faire. Et elle peut faire bien des choses au-delà même de ses strictes compétences. Vous regardez, je vous prends encore l'exemple du maire de Londres, vous regardez ce qu'il fait. Il fait le tour du monde pour vendre sa ville. La ville de Londres, elle a des problèmes. Vous savez, à Londres, il y a du chômage, il y a des embouteillages, le logement, c'est très cher. Mais enfin, si vous voulez, il lui fait une telle pub que d'abord, en termes d'image, en termes de visibilité, il réussit à accréditer l'idée qu'aujourd'hui, c'est une ville dans laquelle il y a de l'activité, on peut réussir, c'est là que ça se passe. Vous ferez le tour du monde pour Paris. Et derrière, bien sûr, et derrière, il fait des choses concrètes qui ne sont pas faites aussi bien à Paris. Je vous prends un exemple. Vous avez toujours des guichets, vous savez, pour attirer les entreprises, pour essayer les sièges sociaux, tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant en termes d'emploi. On ne va pas cracher son emploi, on a besoin de l'emploi. À Londres, c'est regroupé. Avant, ils avaient trois agences. Think London. Think London, c'est à vous, entrepreneurs, pensez à Londres pour installer votre entreprise. Study London. Ça, c'est pour les étudiants étrangers qui veulent aller visiter à Londres. Et Visit London, c'est pour les touristes qui veulent visiter Londres. Ils ont tout regroupé dans une agence qui s'appelle London and Transfer.
London et Partners. Donc c'est très, si vous voulez, ça donne beaucoup de visibilité. Et qu'est-ce qu'ils proposent pour les entreprises? Ben, des services complètement intégrés. On vous fait votre business case de votre installation à Londres. On vous fait un accompagnement pour trouver des bureaux, pour trouver des logements pour vos expatriés, des écoles pour les enfants des expatriés. On vous fait une assistance à la compréhension des problèmes administratifs, des problèmes fiscaux du pays. D'abord, c'est du concret, c'est vrai que ça aide. Et puis, ça renvoie surtout l'image, ce message aux entreprises que ben, elles sont les bienvenues. En 2012, Paris est passé de la 6e à la 10e place pour les investissements étrangers. Mmh. Écoutez, c'est des paires de chances. Et c'est des paires de chances pour tout le monde. Moi, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la primaire, pour la faire connaître, je fais beaucoup de porte-à-porte. C'est un des premiers sujets qui arrive. Il y a la sécurité, il y a très vite l'emploi sur le porte-à-porte. Avec des gens qui me disent ben, nous, on n'est pas concerné en fait par les politiques qui sont mises en place par le gouvernement. Contrat d'avenir, c'est pour les jeunes. Contrat de génération, on n'y croit pas, c'est du gadget. À la télé, on nous parle de Petroplus, on nous parle de PSA. Nous, on est plutôt dans le tertiaire. On est secrétaire, des assistants de direction. On a 55 ans, on ne trouve rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les sièges sociaux, attirer des entreprises étrangères, ce n'est pas pour la beauté du geste, c'est pour pouvoir donner de l'emploi. Alors, et pour le logement, est-ce que vous êtes pour la construction des tours ou pas? Moi, je ne suis pas pour la tour unique, cette espèce de geste architectural unique. Je trouve qu'on a déjà la tour Montparnasse, qui est le monument le plus détesté des Parisiens. Est-ce que vous savez ça ? Dans tous les sondages, elle est là, mais dans tous les sondages, c'est le monument le plus détesté des Parisiens. Et alors, la candidate socialiste veut nous faire la tour Triangle. La tour Triangle, c'est à la porte de Versailles. Les riverains appellent ça la tour Toblerone, parce que c'est une espèce de ça ressemble à un carré de Toblerone, enfin un carré, un triangle de Toblerone, je pense, c'est une espèce de trapèze. Alors de face, c'est très très mastoc. Les promoteurs du projet vous disent oui, mais de profil, c'est assez fin. Bon, mais ça fait une belle jambe à ceux qui la voient de face. Je ne crois pas à ce genre de geste architectural unique. En revanche, sur le logement, oui, j'ai des solutions. Et je propose sur ce sujet une politique de rupture avec ce qu'a fait la gauche. Pourquoi? Ils ont fait une politique du chiffre en matière de logement social. Alors, il sur fallait papier, bien quand même, il y avait des difficultés pour loger les Parisiens. Il y en a toujours. Sur le papier, ça réussit. Donc il y avait 13% de logements sociaux en 2001. Aujourd'hui, il y en a 17%. Donc sur le papier, ça réussit. Mais d'abord, pour une grande partie, pour plus de la moitié de ceux-là, c'est des logements qui ont été préemptés, très chers. Donc ça fait monter les coûts de l'immobilier par la mairie. C'est donc pas des nouveaux mètres carrés, c'est des logements qui existaient. Ils ont juste été rachetés par la mairie. Il y avait des locataires dedans. Ces locataires, pour beaucoup d'entre eux, ont eu le droit de rester. Ils ont juste été basculés dans le logement social. Donc, je me résume. Ce n'est pas des nouveaux mètres carrés. Ce n'est pas des nouveaux locataires. Mais enfin, dans les statistiques, ça fait bien. En attendant, vous avez toujours 140 000 personnes qui attendent un logement social. Mmh. Et de plus en plus de personnes de la classe moyenne qui, au premier enfant, au deuxième enfant, sont obligées de quitter Paris. Eh bien, je propose une politique en rupture avec ça. D'abord, quitte à ce qu'on aille moins vite sur le logement social, plus un logement social nouveau sans qu'on fasse au moins un logement intermédiaire. Retour aussi à une politique en faveur de l'accession sociale à la propriété. Le dernier projet d'accession sociale à la propriété, il date d'avant 2001. Ces 20 et quelques logements, il y a eu plus de 1000 demandes pour ces 20 et quelques logements. Donc il y a bien de la demande. Et puis dans la partie logement social, je veux le dire aussi, je veux qu'on réinvestisse dans la réhabilitation et l'entretien. Là aussi, quitte à ce qu'on aille moins vite sur les nouvelles constructions. Parce que vous avez des logements qui n'ont plus de social que le nom. Dans une ville qui a les moyens, ce n'est pas normal qu'il y ait des ascenseurs qui restent bloqués pendant 2 mois. Donc Paris est une ville de riches. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait des espaces extérieurs. Vous voulez ramener des classes moyennes dans Paris, c'est ça un peu, ben, je veux sortir d'un système dans lequel, pour habiter Paris, il faut soit avoir beaucoup d'argent, soit avoir eu la chance de décrocher un logement social, et qu'entre deux, vous n'avez rien et vous êtes obligé de quitter. Parce qu'entre deux, c'est beaucoup d'activité, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup de jeunes couples, c'est beaucoup de ceux qui font vivre Paris. Vous seriez prête, par exemple, à... On sait très bien qu'il y a des gens qui occupent d'une manière assez indue, compte tenu de leurs revenus, des logements sociaux. Est-ce que vous seriez prêt à les faire quitter ces logements pour les donner à des gens qui en auraient plus besoin, permettant, par exemple, aux familles dont vous parlez, qui ont un peu de mal à élever leurs enfants dans Paris, d'avoir un logement à prix digne? Mais sauf que pour ça, il faut pouvoir leur proposer des solutions. Aujourd'hui, attendez, sur les logements sociaux, on a un très faible taux de rotation, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a très peu de gens qui quittent. Je crois qu'on a de l'ordre de 5%. C'est inférieur à la moyenne nationale. Mais pourquoi ils ne quittent pas les gens? C'est tellement confortable. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que vous n'avez rien prêt. Vous n'avez pas de parcours pour les sortir de là. La logique, ce serait que vous commencez en logement social. Quand vous avez un peu plus de moyens, vous vous mettez en accession sociale à la propriété. Vous passez en intermédiaire. Sauf que comme il n'y a pas, les gens
ceux que vous décrivez, ils restent parce qu'il n'y a rien dans l'entre-deux. Vous comprenez, vous ne passez pas d'un statut logement social à un statut, allez, je vais acheter à 10 000 euros le mètre carré dans un quartier qui était populaire avant et dont aujourd'hui les prix du mètre carré ont doublé, comme au métro Charonne. Est-ce que par exemple, privatiser une partie des logements HLM pour mettre sur le marché beaucoup de logements ne permettrait pas de faire baisser le prix moyen du mètre carré, permettant aux classes moyennes d'acquérir un appartement dans Paris et à la mairie de Paris de se financer pour construire d'autres logements sociaux plus modernes, peut-être moins lourds à entretenir que ces vieux bâtiments en briques rouges? C'est une des clés possibles. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les idées claires sur ce que sont les objectifs. On ne peut pas atteindre tous les objectifs. Et ça ne sert à rien de faire du cinéma où vous donnez des objectifs qui sont strictement numériques, comme nous l'a fait la ville de Paris sur le taux de logement social, si en fait derrière, on ne sert pas les gens, on ne loge pas les gens. Moi, je le dis clairement, mon objectif, c'est de faire en sorte que les classes moyennes puissent rester à Paris. Une question sur le Grand Paris, juste parce que je crois qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Voilà. Ça passionne pas les foules, Madame Kosciusko-Morizet, au Grand Paris. Hein, les citoyens, c'est pas leur grande. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre le Grand Paris plus sexy? Peut-être plus de démocratie participative. Je sais pas. Ça, c'est un mot royal, ça. Les citoyens, le Grand Paris, vraiment, c'est le cadet de leurs soucis. Bah oui, mais parce que je trouve que le gouvernement le présente sous un angle qui est très techno, qui est très institutionnel. Ouais. Et les institutions, franchement, ça intéresse rarement les gens. Dans le Grand Paris, pourtant, il y a des choses importantes, il y a des choses concrètes. Bon, d'abord, il y a le Grand Paris des transports. C'est la grande boucle, vous savez, le Grand Paris Express. Ça a été lancé par Nicolas Sarkozy, ça a été repris par le gouvernement. C'est une bonne chose que ça a été repris. Alors, on peut critiquer, ils ont changé la ligne des couleurs des stations, ça prendra 5 ans de plus. Mais enfin, écoutez, c'est une bonne chose que ça a été repris et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le Paris des transports. Mais le logement. Le gouvernement a fait un Yalta entre le président de la région et le maire de Paris. François Hollande n'a pas voulu choisir. Donc il a dit les transports à la région, le logement au maire de Paris. Comme il a du mal à trancher, en même temps, la région continuera à s'occuper un petit peu de logement. Et puis la région, elle est sur 12 millions d'habitants. Et il dit on va faire une métropole de Paris sur 9 millions d'habitants, c'est-à-dire quasiment sur le même périmètre. Et puis ça va être surtout une nouvelle structure qui va se rajouter aux structures existantes, alors que tout ça, on le sait bien, c'est des coûts administratifs, c'est des élus. C'est... Alors je vous résume, en petite couronne, vous aurez la commune, les syndicats, ordures ménagères, eau, etc., la communauté d'agglo, le département, la métropole du Grand Paris, et au-dessus la région. Et six couches, vous vous rendez compte? On en avait c'est la 5, France. On en rajoute une. C'est absurde. C'est la France. On ne peut pas rajouter une couche si on n'enlève pas au moins une ou deux. Donc il faut arrêter à rajouter systématiquement des couches et surtout faire quelque chose de démocratique. Il faut faire quelque chose de démocratique. Parce que leur projet, c'est du double suffrage indirect. Alors vous élirez même pas directement votre président de communauté d'agglo et lui-même, il se réunira avec d'autres présidents de communauté d'agglo pas élus au suffrage direct pour élire à nouveau, entre des gens qui n'ont pas été élus au suffrage direct, un maire du Grand Paris, un responsable du Grand Paris, qui donc sera issu de deux suffrages indirects. Et bien je vais vous dire, ça ne va pas résoudre la crise entre le politique et les citoyens. Très bien, on arrive bientôt à la fin. On a commencé par les Berbères, on est sur Berbère TV, hein. On a commencé par Azou. Vous savez que la municipalité de Paris, normalement, a promis une maison berbère, la culture berbère à Paris. J'imagine que si elle est faite, vous allez l'encourager. Si elle n'est pas faite, si vous arrivez, vous allez tout faire pour que ça se concrétise. Écoutez, d'abord, moi, je n'oublie pas que Paris est la première ville berbère. Et la communauté berbère qui a réussi un formidable parcours, qui est très présente dans les professions libérales, dans les professions de service, qui est, il faut bien le dire aussi, reconnue et appréciée à ce titre, parce que je le dis sous le regard d'un médecin, c'est vrai qu'il y a des professions qui rapprochent. Voilà, c'est vrai. Quand vous avez été, ou vous êtes en relation de confiance avec un médecin, eh bien ça vous donne une relation particulière avec sa communauté. La communauté berbère, elle est investie dans tout ça. Elle a une culture qui est riche, qui est trop peu connue, qui est importante pour ses propres membres, mais qui, je crois, aussi a beaucoup à partager. Moi, vous savez, c'est mon écologie, moi. Je crois à la diversité. Je pense qu'on doit faire vivre la diversité. Je ne crains pas la différence. Je ne crains pas la diversité. Et je pense qu'en plus, il y a des communautés qui savent réussir à faire vivre leur diversité en jouant positivement dans le collectif. La communauté berbère est au premier rang de celle-là. Il faut l'encourager. Donc, ils n'ont rien à craindre pour leur maison berbère. Et est-ce qu'un jour vous serez d'accord pour que... Et on fêtera le nouvel an berbère. Est-ce qu'un jour vous serez d'accord pour que les étrangers non communautaires votent aux élections locales? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, le parcours d'intégration en France, il passe par la citoyenneté. C'est la tradition française.
Voilà, quand on veut voter, on devient citoyen français. C'est la tradition française. Il y a un lien indéfectible pour moi entre la citoyenneté et le vote. J'ajoute un truc. Cette histoire de droit de vote des étrangers. J'ai été maire d'une ville de grande couronne. J'ai reçu beaucoup, je recevais par principe tous les habitants de ma ville, étrangers ou pas étrangers, qui souhaitaient un rendez-vous. Il n'y a jamais personne qui est venu me demander le droit de vote des étrangers. Il vient me demander quoi ? Du logement, il y avait des problèmes à l'école, il y avait un stage pour le petit, il y avait des problèmes éventuellement administratifs, des problèmes de papier. Jamais personne n'est venu me demander le droit de vote des étrangers. Ce n'est pas leur sujet, c'est un truc de quelques intellectuels, ce n'est pas ça qu'ils veulent les gens. Mais oui. Certes, alors, mais il y a quand même. Je suis tout à fait d'accord. On va la recevoir après les primaires. Sur la question de l'intégration républicaine. Mais il y a un hiatus qui a été créé par le droit de vote donné aux étrangers communautaires, pour le coup. Oui, mais. Et il peut paraître un peu paradoxal que Florence Jones, qui vient du Surrey, qui s'est installée à Bergerac, puisse choisir son maire, et que Mohamed Sidi B, qui paie ses impôts, qui travaille depuis 50 ans en France, ne puisse pas voter. Vous croyez pas que ça, vous avez parlé de la diversité, vous croyez pas que ça favoriserait l'intégration, que ça permettrait de mettre au panier un peu cette histoire de complot, de rejet, ça valoriserait pour les générations ultérieures l'image qu'ils peuvent avoir de leurs parents, qui ont souvent quand même été des gens à la marge, qui ont eu des difficultés dans la société française avec un regard pas toujours très joli porté sur eux. Oui. On se souvient des propos qu'on a pu entendre au sein de l'UMP. D'ailleurs, moi, je vous rends hommage pour ce que vous avez pu dire, vous. Mais je comprends votre point de vue, mais il y a un embryon de citoyenneté européenne. Il y a, par exemple, un Parlement européen dans lequel vous avez des députés européens de tous les pays d'Europe qui siègent. Donc, il y a un embryon de citoyenneté européenne. C'est un sujet qui, du coup, malgré tout est un peu différent, même si je suis d'accord avec vous, sur des cas individuels, ça peut paraître choquant, mais sur des cas individuels, vous trouverez toujours des choses choquantes. Moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'un parcours d'intégration complet en France, si on le souhaite, pour quelqu'un, comme vous dites, qui est intégré et qui est là depuis 50 ans et paye ses impôts depuis 50 ans, il passe par la naturalisation. Et pour moi, il ne faut pas non plus qu'on... enlève un peu de ce qu'est la citoyenneté en le divisant comme ça. La citoyenneté, pour moi, elle ne se divise pas. La diviser, c'est l'affaiblir. Et elle est notre trésor commun, notre trésor partagé. Donc on doit aussi la protéger. Alors on arrive vraiment à la fin. Elle est vraiment gagnable pour vous, pour l'UMP, la mairie de Paris. Écoutez, elle est gagnable pour l'alternance, encore une fois, pour tous ceux qui ont envie que ça change, bien sûr. Et puis moi, c'est ce que je sens tous les jours sur le terrain. Venez voir avec moi un peu, vous verrez. Merci beaucoup. Merci. Bonne merci chance. Merci à vous. Merci à vous d'être restés avec nous. Restez avec Berber TV. À la semaine prochaine.